À part ça, c'est une demi-finale, donc en 3 contre 3, c'est juste totalement pas crédible. Alors, les joueurs, donc JP Koff qui joue Venom contre... Parle bien de mon pote, hein. Fais gaffe à ce que tu dis là. Fais attention. Contre un qui va... Voilà. Alors, je veux du feu dans le public pour encourager. Qui est pour la team des Travelots? La team des Travelots. Taisez-vous tous, là. Pour la team des grands. Donc Nathan pour la team des Travelots en belle blonde et JP Koff qui va tenter de jouer Venom. C'est le truc le plus décalé du Stunfest. Que vont pouvoir faire la team des grands? Que vont-ils pouvoir faire? C'est comme vous voulez les gars. Bon, à part ça, il y aura peut-être un match intéressant à regarder, hein, on sait jamais. Hein. Voilà, c'est parti. JP Koff, tu joues Venom. Allez, mets-lui bien. Tu places les boules et qui va tenter. Ouais. Nightsang qui part à l'attaque. Combo avec Cornerstone. Salope. Avec une traînée. Avec le Venom de JP Koff qui pour l'instant fait pas grand chose. Un petit peu déconcentré par les gestes. Tu fais ça, Gosna, et puis si. Tu prends pas ça, comme à la maison. Ça marche pas. Voilà, Dantaras, t'aimes ça, hein, salope, t'aimes ça. Allez, prends plus fort. Pour l'instant, la team des grandes gueules. Avantage à JP Koff. Mila qui va devoir trouver autre chose. Le coup de cul qui ne suffit pas. JP Koff qui arrive à jouer. Malgré Mila qui va devoir faire plus fort. Un pic de ta mère. Allez, c'est gagné, c'est tout. Pour l'instant, Nathan, la blonde. On est des mecs de la cité, nous, on n'a pas le temps, on est des malades. On s'en fout. Pour l'instant, le Venom de JP Koff. Alors c'est dur à savoir ce qui se passe. Pressing de JP Koff. Avec le choc de JP Koff qui met dans le coin. Il met la pression. Ah, t'as fait ça, t'as pas fait exprès. Voilà. Il t'a mis, il t'a bien mis. Est-ce que t'as du café? T'as pas de garde. Voilà. T'aimes ça, une bonne queue de billard. Et JP Koff qui remporte un round, on l'encourage JP Koff. La queue de billard va faire quoi? Il va jouer avec la contre la blonde. On est tenté. Bravo. C'est là mon pote, je t'ai niqué ta mère en deuxième round, comme on l'avait dit, c'est tout. Et tu laisses mon pote te dérailler, sinon ça va mal finir. Ça va finir dans la nuque. Mets-lui la canne là, mets-lui bien. Pour l'instant, Nathan, Anderson, il le coince dans le coin. Casse-garde, avec le Roman Bleu. Loupe dans le coin, ça fait super mal. Superbe, Nathan qui est en train de défoncer JP Koff. Et premier match pour Nathan, la team de Travelo qui prend le premier match. JP Koff qui va maintenant entrer en scène en prenant le micro. C'est ça la vraie puissance de la team de la Gouac. Absolutely.
l'autre qui est là. Et là, c'est la hauteur en fait. Non mais Rotel de Felmao quoi. 21h30, voilà donc à quoi ressemble le parking souterrain de l'espace des dérives de Rennes. Après des heures et des heures de dosage, de combos, d'infinite, de mind games et autres bourrages de pif. Donc voilà, cinquième édition du Stonefest qui se termine. Depuis l'espace des deux rives de Rennes, Der Jäger pour Coded Camps, Sayonara, Stonefest 2009.